Alors. Maintenant, je vais arrêter d'utiliser mon coursier freiné en start parce que tout à l'heure, j'ai utilisé en voyant le trappeur, j'ai encore pris le 8 dans le coursier freiné. J'en ai marre de prendre le 8 dans le coursier freiné systématiquement. Par contre, moi, j'ai un souci, je me cogne de partout, tout le temps. J'ai un gros problème avec ça. Je me cogne beaucoup trop. Du coup, là, je prends le 8 aussi en sautant. Il a pas de chance parce qu'il avait bien anticipé, hein, il avait bien attendu. Hein. Il joue bien, mais moi je joue mal. Non, franchement, ça joue bien. Il anticipe, il attend, il est patient, il a pas tapé direct, il a même attendu pour taper. C'est un vrai joueur, ça. C'est un vrai joueur. Ouais. Vrai joueur, hein. Pas con. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai toussé quand même. Hein. Mais j'ai toussé tardivement donc il m'a carrément pas capté. Mais bon, j'ai eu des coronesses de faire ça quand même. La probabilité pour que ça passe, il m'a repéré. Hein. Tu penses j'ai le temps de me désinfecter? J'ai envie d'essayer. Je suis pas sûr hein, ce qu'il est quand même là, mais. Bon, laisse tomber, j'ai pas le temps. Je vais baisser la palette en avance. J'ai baissé la palette en avance. J'ai sauté. Et là, je le vois lui aussi. Ça, s'il y a un zombie, par contre, il me détruit. Hein. Il a cru que j'étais encore à l'intérieur, mais je suis parti. Je suis parti. J'ai envie de retourner vers la cabane. Par contre, il est focus sur moi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai objet d'obsession. Ah, ça va proquer d'ailleurs, ça devra m'être utile. Je pense que j'ai le temps de baisser, tu sais, la palette et de partir sur le teco. Non. J'ai bien hésité, hein. Je savais que j'avais pas le temps. J'ai hésité quand même, mais je savais que j'avais pas le temps. Dommage. Bien joué, bien joué. Oh, là, c'est flash. Magnifique, le Renato. Oh là là, là, c'est flash légendaire. Ça, c'est bien joué, Renato. Bien joué, bien joué. Belle, c'est flash, ça. Magnifique ça. Donc c'est bien ce que je dis, pré-drop contre les Mésis, sincèrement de la merde. Alors ça peut marcher, hein, mais là la preuve que c'est de la merde. Mais ça peut marcher que si tu pré-drop 1000 ans en avance. Genre là si je pré-drop, je meurs. Donc je peux même pas pré-drop dans ces conditions. Merci beaucoup, Tis Fewell, pour ton follow, c'est gentil Tis. Merci beaucoup, j'apprécie. Ça fait plaisir, merci à toi. Il m'en voulait, hein. Il voulait que moi, le petit Némésis. Je sais pas pourquoi. Salut, Bat. Comment tu vas, Baptiste? C'est la forme. Salut, la Belladone. Comment tu vas? Force à toi, Tom. Essaie de bien te soigner. Merci, Baptiste. Je vais bien, je te remercie. Il a joué, donc il arrive. Il arrive, il arrive. Il me veut, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il m'aime bien. J'ai l'impression qu'il m'apprécie. Il m'apprécie de type appréciation. Ouah la flemme. On aurait dit le bruit d'un fouet qui s'abattait sur le dos de quelqu'un. C'est trop violent pour moi. C'est trop violent pour mon âme. Je tiens à le dire. Bien joué ça. Bien joué, bien joué. J'ai l'impression qu'il y avait un gène qui était presque fait. Qui est redescendu à zéro. Je sais pas, j'ai rêvé. J'ai dû rêver les gars. J'ai essayé de me désinfecter au moins. Mais je crois que j'arrive pas. J'arriverai pas à me désinfecter. Faut que je loupe dans cette zone. Parce que dans cette zone on a déjà réparé le générateur. Comme ça les autres pourront peut-être finir le dernier gène, tu sais. Là il reste deux gènes à faire. Mais pourquoi ils s'arrêtent de faire le gène? Des fois je comprends rien. C'est pas grave cela dit mais... Donc là normalement je tombe dans tous les cas. Mais c'est ok, y'a pas de soucis. Oh la protection! Oh la Nancy! Elle est adorable! Le Renato qui s'efflash, la Nancy qui protège. C'est vraiment adorable ça. Bien joué! En plus il veut que la tentacule, hein, je sais pas pourquoi, mais que le tentacule. C'est le tentacule. Bien joué en tout cas.
Il hésite un poil, par peur de la séflage du Renato, mais le Renato il fait un gêne. Il a bien raison. À quoi ça sert la mini perque rouge? Bah je sais pas en l'occurrence parce que j'ai pas vu ce qu'il avait comme mini perque rouge. C'est une perque du tueur normalement. Ouais, j'ai rien défoncé, j'ai pas fait grand chose de bien dans cette game, hein. Il a réussi tous ses hits, hein. Il y en a pas un qu'il a raté. Il a raté peut-être un hit ou deux grand max, sinon il en a pas raté un seul. Après c'est pas moi qui les loupe 5 gens, c'est la map, hein. Moi j'ai rien fait, j'ai juste couru de palette en palette et c'est tout. C'est pas moi qui les loupe, hein, c'est la map, hein. C'est la meilleure map suivante du jeu, la preuve encore dans cette game, hein. Je sais plus Flox, il faut que je vois la perque pour être sûr, là comme ça me dit rien. Salut Kirek DBD, comment tu vas? J'ai l'impression que tu as presque jamais joué Sable. Si, à une période, je l'ai joué tout. Dès qu'elle est sortie, je l'ai joué pendant au moins, je sais pas, 4, 5, 6 jours d'affilée, 8 heures par jour. Donc, non, c'est pas vrai, je l'ai joué énormément. J'espère qu'ils ont le temps d'ouvrir cette porte. Techniquement, oui. Ça devrait le faire. Je sais pas si je vais avoir. Ça va être un peu in extremis si je sors. Parce que faut que quelqu'un ouvre la porte en avance. Je pense qu'il faut me soigner moi les gars, parce que vous avez jamais été accroché. Donc à mon avis, ouais, je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Je trouve que Vecna garde une puissance inouïe. Tout à l'heure j'ai fait 4 kills avec lui contre des sur sticky. Je kiffe ce tueur, mais si ce n'est pas mon main killer préféré. Bah non, pas chaud, il a tout ce qu'il faut. Vecna il a tout ce qu'il faut. Si tu trouves pas les gens, tu peux les trouver grâce à la sphère. Si t'as des bons loopers, tu peux les anti-loop grâce aux fantômes. Il y a tout qu'il faut. Merci Dakuro pour ton sub, 1 an de soutien, mais c'est magnifique. Ça fait plaisir, merci pour tes 1 an de soutien. C'est très gentil Dakuro, merci beaucoup. C'est très gentil yo, 1 an, ça y est, tu es une personne exceptionnelle, je reste comme tu es. Oh, c'est pas moi qui suis exceptionnel, c'est toi qui est exceptionnel de continuer à t'abonner, donc merci beaucoup pour tes 1 an de soutien, c'est très gentil. N'oubliez pas les amis qu'après cette partie, il y a 3 places, donc si vous voulez venir jouer, n'hésitez pas. N'oubliez pas également que je serai absent du 2 juillet 2024 jusqu'au 14 juillet 2024. Aucun live ne sera fait sur ma chaîne. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas là, je suis en vacances dans le sud. Et puis le 6 juillet 2024, je me marie. Donc c'est pour ça qu'on en profite, vu qu'on sera déjà dans le sud, pour se poser et avoir les vacances. C'est pour cela que je ne pourrai pas live, mais il y aura bel et bien une vidéo par jour sur YouTube. Dis-moi cependant, pourquoi Vecna est-il chauve? Ben parce que je pense qu'il s'est trop trituré l'esprit pour aller chercher... qu'est-ce qui emportait les gens qu'il connaissait. Et au final, il s'est retrouvé emporté également. Et c'est pour ça qu'il est dans Dead by Daylight aujourd'hui, donc... Il s'est trop trituré les méninges, tu comprends? C'est pour ça qu'il est chaud. Merci la Belladon, c'est gentil. Donc c'est pour ça, les amis, qu'il n'y aura pas de live pendant cette période. Du 2 juillet au 14 juillet inclus, pas de live. Merci Steve pour ton sub. C'est très gentil, merci pour tes 4 mois d'abonnement, ça fait plaisir. C'est un grand soutien, ça. Merci beaucoup, Steve. C'est pas Steve, c'est Steven. Merci, Steven. Pour ton sub, merci beaucoup. C'est gentil Steven, merci. Merci Warziox pour ta série de 3 visionnages consécutifs, c'est très sympathique ça. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Sauf si tu veux des tueurs plus personnalisés, n'hésite pas à me le dire. Bah écoute, Cavinette, pas de soucis. Après, faut que je vois un petit peu tes talents de dessinatrice. Tout simplement, même si là, en alt tab, c'est très dur de regarder. Mais... Oh oui, bah ça me va nickel. Hein. Tu m'as dessiné une piggy, c'est ça? Alors, ou alors... Oui, tu m'as dessiné une pig, c'est ça? Oui, bah tu... Après, là, des tueurs en particulier, je sais pas ce que j'ai. Faudra que je regarde. T'en penses quoi de la nouvelle tenue de plage de Sable? Je la trouve incroyable. J'ai pas vu. Faut que je revoie, je m'en souviens plus. J'ai mon course effréné, donc j'essaye de voir comment je peux m'en servir. Il va y arriver, hein. Il va y arriver. Il y arrive.
Pour moi, le Renato est foutu. Ah bah non, il est pas infecté. Bien vu, il est pas infecté. Donc il est pas foutu. Sauf s'il fait des trucs aussi cons que ça, mais... Ouais, bon. En faisant des trucs aussi cons, c'est sûr que t'es foutu. Bon, pas, te sacrifie pas, je vais essayer de te sauver. Te sacrifie pas. Mais non, j'aurais pas le temps de récupérer mon coursier freiné, sinon. Bah oui, je connais, bien sûr. Une piggy et un tricky. Merci beaucoup, c'est gentil. Après, si tu dessines des tueurs, comment dire, ne me mets pas des dessins qui ont déjà été utilisés, quoi. Putain, j'étais pas concentré, mais normalement, ça devrait passer. Voilà. Là, faut juste que le Renato me protège intelligemment, et ce sera bon. Renato, me fais peur. Tu me fais peur, Renato, parce que ta protection, elle était pas bonne, hein. Mais c'est pas grave, ça a marché, donc on va dire que c'était bon. Déjà, merci pour la safe flash, parce que c'était beau, mais là, il a fallu que j'oriente mes déplacements différemment pour pouvoir esquiver. Mais merci, Renato, c'est gentil. Voilà pourquoi je t'ai dit de pas te sacrifier, parce que mon course s'est freiné. Et important, c'est... Avec objet d'obsession, je savais qu'il me verrait et qu'il viendrait vers moi. Bon, c'est vrai que j'étais en train de discuter, donc je pensais pas que ce serait maintenant. Et c'est pour ça que je me suis dit, il vaut mieux que j'attende, parce qu'avec objet d'obsession et course effrénée, je pouvais le forcer à venir sur moi pour libérer un espace pour course effrénée, un peu à la Kylian Mbappé. Okay. What you say? Qu'est-ce qu'il dit? What you say? Il est en train de nous insulter, le bug. Il est pas content, je crois. Mais ouais, c'est bien joué, mais c'est bien joué aussi aux joueurs qui ont joué dans la game, hein. Magnifique ce qu'ils ont proposé quand même. Une petite safe flash, la protection de Nancy à clutch, tout a été bien fait. GG. Il est pas content. Hein. Il est pas content du tout. Il est énervé, le frérot. Donc là, il y a 3 places. N'hésitez pas à me rejoindre si vous le voulez. Je t'en ferai d'autres là dans la soirée. Là, c'est des anciens que j'ai mis pour que tu vois d'où, pourquoi je t'ai dit si tu veux plus personnaliser, qu'il soit à ton image, serait en plus. Un plus. Après, Kevinette. Juste moi tranquille, juste des. Si tu fais des. Moi je veux pas que tu dessines exprès parce que c'est pas intéressant. C'est juste si t'as envie de dessiner un tueur, et à un moment donné pour, par plaisir, et que tu le balances sur le Discord, hop, moi je m'en servirai. Si jamais ça corrobore bien avec ma vidéo, hop, je m'en sers. Et je te mets ton lien utile dans ma description de vidéo, tu vois. Mais je veux dire, je veux pas forcément que tu fasses un dessin exprès, quoi.